Devenir acteur de la préparation de votre café, alors la gamme Specialista est faite pour vous. Venez la découvrir avec moi. Selon le modèle, vous allez trouver différentes formes d'assistance. Par exemple, sur la Arte, ce guide qui vous sert aussi de guide de tamping, donc de tassage, sera remplacé par le Smart Tamping sur la Maestro ou sur la Prestigio. Vous avez aussi ce qu'on appelle la dynamique pré-infusion sur ces deux modèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, la machine va régler automatiquement la quantité d'eau lors de la pré-infusion en rapport avec la quantité de café qui a été moulu dans le porte-filtre. Ça, c'est sur ces deux modèles. Ça ne sera pas sur la Arte. Vous avez aussi une différence sur le nombre de recettes, bien évidemment. Ici, avec le Latte Crema System, 3 à base de café et 3 à base de lait et de café. Ici, vous n'avez que les 3 à base de café et ici, vous n'aurez que 2 recettes à base de café. Donc, une évolution dans la gamme. Si on peut parler d'une technologie, c'est le filtre
qui est un véritable filtre comme sur les machines professionnelles. On ne parle plus de filtre pressurisé, c'est-à-dire que la créma que vous allez obtenir à la sortie de votre porte-filtre sera une véritable créma et non pas une mousse de café comme sur un porte-filtre pressurisé. Comme vous pouvez le voir, cette gamme Specialista est vraiment dédiée à tous les amoureux du café. Que vous désiriez jouer avec la taille de la mouture, la quantité d'eau ou la quantité de café, vous pourrez régler tous les paramètres pour extraire un véritable espresso. Alors restez curieux, amusez-vous et jouez au barista. Il reste moins de 2 minutes de préparation pour notre 5e candidat, Théo Cherrier, qui va prendre les manettes de la station dans une démonstration. Enfin, pas une démonstration, c'est participer au préliminaire des championnats de France de latte art.
sympa. Du championnat de France de Latte Art 2022. Mesdames et messieurs, Théo Cherrier sur scène à applaudir. Notre cinquième bonjour. Candidat. Oh. Monsieur, bonjour. Monsieur, bonjour. Vous allez bien ? Monsieur, bonjour. Merci. Hop. Musique, s'il vous plaît. Time. Qui en a, judges ? J'espère que vous allez bien. Je vous laisse prendre connaissance du document qui est juste devant vous. Sur ce document, vous allez pouvoir retrouver la carte de la Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi la carte de la Nouvelle-Zélande, me direz-vous ? Tout simplement parce que c'est en Nouvelle-Zélande que j'ai appris le café comme je le consomme aujourd'hui. Et c'était un clin d'œil finalement à mes débuts dans les championnats de France de café et aussi mes débuts dans le monde, l'univers du café. J'ai voulu partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous sciera. Alors, si vous regardez tout en haut de la carte de la Nouvelle-Zélande, vous allez trouver la tête de mouton et quand vous allez un peu plus au sud, vous allez trouver le cerf. Alors nous, on va voyager ensemble et on va commencer avec le cerf qui est juste en bas. Je fais mon extraction et je reviens à vous tout de suite. Alors, comme je l'évoquais précédemment, vous allez trouver dans le sud de l'île du Sud, le cerf. J'ai eu la chance en 2018 d'aller en Nouvelle-Zélande et de découvrir ma passion pour le café. Lors de mon voyage, je pense que certains d'entre vous ont connu ça aussi, j'ai eu la fameuse rencontre, en tout cas la curieuse rencontre, de tomber nez à nez avec un cerf. Donc c'est ce que j'ai voulu vous représenter aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant, hein. C'est pas la première chose à laquelle on pense quand on va en Nouvelle-Zélande, on se dit pas je vais rencontrer des cerfs. Moi j'étais dans une clairière en train de commencer ma nuit et je suis tombé nez à nez avec un cerf. Alors pour représenter ce cerf, je commence par une rosetta pour représenter la clairière, une seconde rosetta pour représenter son corps, une troisième et une quatrième pour faire ses bois. Ensuite ses pattes en tracé libre, 1, 2 et 3. Fini avec sa tête, son corps et sa quatrième patte. Et comme c'était en pleine nuit, je vous dessine la lune juste en haut. Voici pour vous, monsieur. Bonne observation. Je continue du coup avec le second, pour pas faire de jaloux, évidemment. Ça va être exactement le même principe, hein. je répète, hein. Hop. Une rosetta pour faire la clairière en bas, une seconde rosetta pour représenter son corps, une troisième coupée et une quatrième tout en haut pour ses bois, et un tracé libre, je fais 1, 2, 3, son corps, sa tête, sa quatrième patte, et dans le coin juste ici, la lune. Voici pour vous, monsieur. Bonne observation. Je continue. Alors, pour la suite des événements, on va aller dans l'île du Nord. Et là, ça va être mon designer. Imaginez-vous, vous êtes dans votre van. Vous avez un petit coup de barre. Ça fait 5 heures que vous êtes en train de conduire. Hop, on se cale dans un pâturage. Et on va fermer les yeux pendant quelques instants. Alors là, je ne vais pas vous demander de fermer les yeux.
sinon vous n'allez pas profiter du voyage. Alors, je réalise mon extraction et je reviens à vous dans une vingtaine de secondes. Alors, comme je l'évoquais précédemment, on fait un petit stop dans la prairie. On a besoin d'un petit peu de repos. On ferme les yeux et on réveille. On tombe nez à nez avec la tête d'un mouton. Alors c'est vrai que la Nouvelle-Zélande, pour ceux qui connaissent un peu, c'est le pays du mouton. Vous l'aurez trouvé dans les pâturages, dans les prairies, mais aussi dans l'assiette. N'en déplaise certaines personnes. Alors, pour faire cette tête de mouton, je réalise d'abord mon contraste. Je réalise une première rosetta pour faire le côté de son visage, une seconde rosetta pour faire l'autre partie du visage, une troisième et une quatrième tout en haut. Je finis en tracé libre pour ses oreilles. Et je conclurai ce mouton juste en suivant. Je vais juste réaliser le deuxième. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous, messieurs, aujourd'hui. Hop. On s'en prépare un petit peu pour la suite des événements. Merci. La première rosetta sur le côté, la seconde rosetta de l'autre côté, et de tout en haut pour faire sa tête toute touffue. Hop, voici pour ce bouton. Je vais le terminer du coup à l'aide de mon laté pen. Un bon moment. En même temps, vous n'allez pas mal. Je fais le second œil. Merci. Le deuxième. Je ferme mes oreilles pour que nos moutons puissent nous entendre. L'intérieur des yeux, les narines pour qu'ils puissent respirer. Hop et hop. Voici donc pour la tête du mouton. Messieurs, je vous souhaite un très bon réveil. Ne l'effrayez pas. Bonne observation. Et voici pour vous, monsieur. C'est ainsi que mon premier tour se termine. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Bye. Wow.
j'adore de faire ça. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonjour Théo, comment vas-tu ? Bah écoute, mieux maintenant, c'est toujours mieux après. Soulagé d'avoir terminé cette première épreuve. Petite goutte, ouais, ça fait... C'est bien, ça fait du bien, ça fait du bien. J'ai pas vraiment les mots, mais... Impatient d'être demain. Hein. Comment ça s'est passé ? Écoute, pour une première, je suis assez satisfait. Donc on verra comment ça va aller dans le futur. Mais il y a 2-3 choses à corriger, mais c'est normal. Ok, donc une première phase de préliminaire satisfaisante pour toi. Ouais, ça va. Ok, parfait. Très bien. Merci.